Et bonjour à tous, c'est Nicole Ch'ti avec notre explorateur sur Starfield. J'aurais pensé avoir la petite cinématique que j'atterris sur Mars, mais en fait non. J'ai utilisé directement le TP de Jemison vers Mars. Et on reprend la mission, notre mission probatoire, hein, qui était censée être seulement une mission d'entretien et de réapparition sur une planète. Qui s'appelle Tellico 2, un truc comme ça. Et tout compte fait, on avait découvert une base vide avec une seule personne qui était blessée. On s'est fait poursuivre par un monstre alien. Et après analyse des échantillons et tout ça, bah la personne s'est rendu compte que à chaque fois que l'humain posait le pied sur une planète, automatiquement la bestiole apparaissait, et donc notre mission c'est d'aller enquêter sur cette chose quoi. Et donc on va suivre les petits points bleus, tout simplement. On est sur Mars, à Sidonia, et on doit aller retrouver un certain je vais pas afficher tous les objectifs, et on va essayer de retrouver un certain Percival Walker. Ah, juste un seul point, c'est bien mieux. On va y aller, on va courir. Il y a eu la grosse mise à jour. La première grosse mise à jour où ça corrigeait pas mal de bugs graphiques, des bugs de quête et tout ça. Donc le jeu devrait être un peu plus beau. Il devrait être un peu plus fluide. Il n'y a pas encore eu la mise à jour qu'il y a sur le moment en bêta Steam, mais ça c'est moins important. Moi j'attends vraiment une mise à jour des combats, surtout parce que l'IA est un peu... Bonjour. Est un peu à la fraise. Ouais, je recherche Percival Walker et on va parler à Otkay Nbayar. Quoique, entre temps, j'avais regardé des petites vidéos et le gars, il disait, je sais plus qui c'est. Il disait, justement, comme j'avais vu, quand j'avais fait l'autre vidéo d'avant, en fait, il y avait des PNJ qui n'ont pas de nom. C'était pas important, mais ceux qui ont des noms. Des comme ça qui sont nommés, en fait il faut leur parler. T'es là pour acheter ou pour vendre, va voir Octaï. Parce que généralement ils ont toujours un nid de dialogue et nous dire un truc sur quelque chose généralement qui comment dire, qu'ils ont quelque chose à nous proposer. Je suis là pour vendre, mais c'est vous que je recherche. Allez, on drague. Ce serait pas la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Ah pardon. Non, me regarde pas comme ça, je rigole. Qu'est-ce que t'as pour moi? Je cherche à vendre un chargement d'Aurore. Je sais même pas ce que c'est. Trop dangereux pour moi, ça. Ça n'attire que les ennuis. Remballe ta cargaison et va tenter ta chance ailleurs. Ok, d'accord. Si c'est trop pour vous, donnez-moi au moins une direction. La seule chose que je vais te donner, c'est un coup de pied au cul si tu te casses pas d'ici avant que Lucé réplique. Évidemment, si tu parles de m'offrir une commission, je pourrais faire une exception. Ouais, t'auras ta commission. Industrie, si le marché réussit, vous aurez votre part du gâteau. Tu marques un point, trésor. Très bien, je vais me laisser tenter. Un de mes potes est avec la flotte écarlate. Il se fait appeler Adler Kemp. S'il n'est pas déjà bourré dans une poubelle, tu le trouveras en train de noyer ses derniers neurones à la lance brisée. Hey, c'était un plaisir de faire affaire avec toi. Ah oui, c'est l'émission... Où je veux m'infiltrer dans la flotte écarlate, c'est bon. Manaki Almont. Eh, hey, salut. Quoi de neuf? Vous venez faire un peu de shopping à l'autorité commerciale? Je suis Manaki. Si je peux vous aider, n'hésitez pas surtout. J'ai entendu que l'autorité commerciale trempe dans les biens illicites, c'est vrai? Oula, je peux pas vraiment vous dire. On m'a dit de jamais parler de ça. À cause des rumeurs, vous voyez. D'accord, on n'en parlera pas, alors je pense. On est un commerce et qu'on m'a dit d'accepter toutes les offres et de vendre tout ce qu'on avait. Ok. Et personnellement, j'irais pas chercher plus loin que ça. D'accord. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez vue ici? Un jour, il y a un type qui a tenté de me vendre une sorte de gros poisson chelou. Il était vivant en plus. Il l'avait foutu dans un sac plastique rempli d'eau. Il était balèze. J'essayais de lui dire que je savais pas si on prenait des trucs comme ça, mais... Le patron est venu et m'a dit que oui. Alors j'ai dû procéder à l'achat et trouver un moyen de stocker le bazar. Ah, et on peut le trouver où, ce poisson? Qu'est-ce que j'en ai bavé.
Merde. Pire, un autre client est entré et l'a acheté presque immédiatement. D'accord. Elle est pas folle cette histoire. Peut-être il s'est fait un méga gueuleton au barbecue. Je voudrais faire affaire. Vous êtes au bon endroit. Bah, qu'est-ce que t'as proposé? Acheter. Ah, des. Est-ce qu'il y aurait des. Des crocheteurs hein? Non, il n'y a pas l'air d'en avoir. Armes. J'ai aussi appris qu'il y avait des armes légendaires, uniques, qui sont vendues sur certains marchands. Donc sur ce point-là, hey, faites attention à vous. On regardera les marchands et on fera attention. Ici, donc on va parler à ce gars-là et on cherche notre ami Percival Walker. Les factures peuvent être récupérées dans le... Hmm. Vous n'êtes pas là pour une livraison, je me trompe? Non. Alors, capitaine Nico de l'avant-garde, j'ai besoin de Walker suite à une découverte troublante. Vraiment? Eh bien, j'aimerais sincèrement pouvoir vous aider, capitaine. Mais le docteur Walker a disparu depuis un moment. D'accord. C'est regrettable. Nous avions de grands espoirs avec Percival. Je l'avais recruté personnellement comme consultant en médecine et en biologie pour la ville. Ce n'est pas le genre de boulot que gère habituellement l'autorité commerciale, mais nous avons pensé qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle source de revenus pour notre affaire. J'ai investi une part non négligeable de mon capital personnel dans cette histoire. Mais il a décidé de s'enfuir après un problème disciplinaire. D'accord. Je présume que les mineurs l'ont caché quelque part. Il y a un paquet de grottes sur ce vieux caillou. Ah, on va aller explorer Mars. À ce stade, c'est sans doute pour le mieux. D'accord. Pourquoi est-ce que les mineurs le cacheraient? C'était tous des diables. Des diables. Ah, les diables ardents. Ok. Une unité de la marine coloniale basée ici, sur Mars. Bien qu'elle ait été dissoute peu après la fin de la guerre coloniale. Je présume que nombre d'entre eux ont servi aux côtés du docteur Walker. Les liens forgés au combat, ce genre de choses. Quel genre de problème disciplinaire parlons-nous, juste? Le docteur Walker avait décidé de préparer et vendre ses propres médicaments à nos clients, pour moins cher. Quelque chose de formellement interdit par son contrat. Ainsi, nous avons réclamé notre part des profits et réduit son salaire. Peut-être okay. Un peu trop sévèrement, mais dans les limites de la loi. C'est à ce moment-là qu'il s'est enfui, abandonnant son poste et ses dettes impayées. Mais donc, le retrouver n'a pas l'air de faire partie de vos priorités, alors? En effet. Nous ne sommes plus intéressés par les services du docteur Walker. Mais moi, il m'intéresse. Cependant, il a quitté son poste avec une dette considérable. Si jamais vous le retrouvez et parvenez à le convaincre de nous rendre cet argent, l'autorité commerciale vous sera très reconnaissante. Ah, j'ai pas beaucoup de crédit. Hein. Alors juste pour info, on va savoir, mais combien vous doit-il? Pourquoi? Vous êtes d'humeur charitable? Non, c'est juste pour mon je info personnelle. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais avec les intérêts, je pense qu'il est devenu significatif. Ok. Donc si jamais vous le trouvez et que vous parvenez à le convaincre de régler ses dettes, vous aurez toute notre reconnaissance. Alors, je ne suis pas là pour collecter des... Je vais voir ce que je peux faire. Dites-moi simplement où il a été vu pour la dernière fois. Fantastique. Je vous suggère de faire un tour au sixième cercle, qui est techniquement un bar situé au niveau inférieur de la ville. L'un des mécréants sur place saura peut-être où se trouve Percival. Mais je vous conseille de faire attention. Les clients ne sont pas réputés pour leur hospitalité. Ne t'inquiète pas, j'ai... un fusil à pompe. Bref. Allons-y, allons voir, allons au sixième cercle. Bah le bar est juste là. Hop, bah rentrons. Hop, pardon. Bonjour, à interagir. P2. Bah tout de suite à l'étage au sous-sol 2. Et... Oh, on n'a pas été ici. On a déjà été ici? Je m'en rappelle plus. On peut scanner, hein. Scanner puis voir ce qu'il y a aux alentours. Hop. Ah si, on a déjà été ici. La lance brisée est à l'étage. Allez boire là-bas. Ce bar est réservé aux diables et anciens soldats uniquement.
Ah, ok, non, c'est bon, c'est juste une interaction, je pensais que j'allais déclencher une autre quête. Alors si j'ai envie... Non, je vais pas les provoquer. C'est Adrian Sanon qui m'envoie. Je cherche un homme du nom de Walker. Doc Walker, vous faites fausse route. Ah. Ah non, c'était pas celui-là le bar qu'on a été voir, c'était un autre. Où justement il y avait le... Il y avait le gars qui par rapport à un truc commercial et tout. Immobilier. Rendez-moi service, ne restez pas ici. Ah, vous voyez ce genre de truc que je disais ? Cambridge Cooper, en fait voilà, il nous interpelle en plus. Je suis pas censé vous parler. Ah, mais lui il a rien à dire. Rendez-moi service. Ne restez, je suis pas censé. Vous allez m'attirer des... Rendez-moi. Ah bah non. Pas plus que ça. Hop là. Je suis pas censé. Il y avait la réminiscence des touches qui est apparue. Alors j'ai beau le désactiver mais il revient tout le temps ce machin. Ah, c'est pas quand ils sont considérés comme de comme du vol. Si je prends ça, c'est pas considéré comme du vol. Ok, on va parler au barman. Lou Saavedra. Y a pas un jour qui passe sans qu'un type de la surface débarque dans mon bar en affirmant connaître quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez au docteur Walker ? Ah, ils ont... Et même l'autre, il avait les yeux bizarres, l'autre. Non. Je suis ici en mission officielle pour l'avant-garde. J'ai besoin qu'il étudie quelque chose. Votre uniforme me paraît authentique. Dans ce cas, capitaine, vous n'aurez sûrement aucune difficulté à répondre à quelques questions sur l'avant-garde, pas vrai ? Par exemple, ce que signifie supra et ultra. Vous savez, la devise de l'avant-garde. Toujours plus haut, toujours plus loin. Je vois. Et dites-moi, quelle note avez-vous eue à votre examen d'entrée ? 10, 7, 6 ? L'examen d'entrée de l'avant-garde n'est pas noté comme ça. C'est vrai. C'est un système de Très niveau. Bien, capitaine. Peut-être que vous êtes la personne que vous prétendez être. Écoutez, même si je décide de vous aider à contacter le docteur Walker, Percival fait profil bas pour une bonne raison. Oui, il a des dettes. À cause de sa dette envers l'autorité commerciale. On parle la même chose, donc c'est déjà bien. Si quelqu'un réglait cette dette, il n'aurait plus aucune raison de se cacher. Cette personne deviendrait alors l'ami de Percival et de nous autres diables. Et je suis toujours enclin à aider mes amis. Vous et Percival étaient des diables ardents ? Vous pouvez m'en dire plus ? Les Diables Ardents étaient la plus féroce unité de toute la marine coloniale. Pour y entrer, il fallait avoir fait au moins un contrat dans les mines de Mars. Ça nous rendait robustes et fiables. C'est pour ça qu'on s'occupait de la division Xenoguerre. Aucune autre unité aurait supporté la pression. Par contre, Percival, c'était pas un vulgaire soldat, mais un officier scientifique. Il veillait à ce que les monstres tolèrent les Diables et personne d'autre. Pourtant, ces mêmes monstres ont été notre perte. Quand la guerre coloniale a pris fin et que l'armistice a été signé, tout ce qui concernait les xéno-armes a été mis au placard, y compris les Diables Ardents. Maintenant, c'est plus qu'un souvenir. Ok. Vous travaillez avec des xéno-armes ? Quoi ? Non, j'étais officier d'infanterie. Mais mes gars combattaient aux côtés de ces choses. J'ai jamais rien vu de tel, ni avant, ni après. Des bêtes issues des plus sombres recoins de la galaxie qui déchiquetaient l'ennemi. Je comprends pourquoi ça a été interdit. Trop cruel. Trop efficace surtout. L'armistice a été particulièrement dur pour nous, mais... C'est pas plus mal au final. Vous feriez comment, vous, pour sortir Percival du pétrin ? Eh bien... La solution la plus évidente serait de vous pointer à l'autorité et de les rembourser directement. À condition d'avoir des crédits achetés par... Alors, vu que sa dette est significative... Sinon, l'autorité commerciale conserve toutes ses archives, dont ses fiches de crédit... Ah, intéressant. ...sur un serveur central dans son entrepôt. Si quelqu'un devait s'y introduire et ajuster la dette de Percival sur un montant
un peu plus raisonnable, disons quelques centaines de crédits, je mettrais volontiers la main à la poche. Ok. Ah, et entre soldats, Sidonia est truffée de vieux tunnels de service et autres conduits. Ça m'étonnerait pas qu'un d'eux débouche directement dans l'entrepôt de l'autorité. Je vous dis ça, je dis rien. Se situerait par exemple derrière le comptoir de la lance brisée. D'ailleurs, ceci vous serait utile. Ah, oh, des aligneurs. Cool. Je tâcherai de faire disparaître cette tête. Revenez vite avec de bonnes nouvelles. Merci, l'ami. Optionnel, changer le montant de la... ok. Alors. Ah, et lui ? Parler au client du bar. Ah, je savais bien qu'il avait quelque chose à voir. J'ai entendu votre discussion avec Lou. Vous allez aider le docteur Walker ? Bah ouais. Pourquoi ? Vous savez où il se trouve ? Non. J'ai bien ma petite idée, mais vous comptez l'aider, pas vrai ? On dirait que c'est le seul moyen de le trouver. Effectivement. Écoutez, j'ai une astuce pour ne pas avoir à commettre des fractions. L'hématite aqueuse. Il y en a partout sur Mars. Les gens croient que ça sert à rien, mais Percival et moi, on avait un labo dans les mines profondes. Du moins, quand ils se prenaient pas à la santé à bosser pour l'autorité commerciale. En tout cas, on a trouvé un moyen de la rendre utile et profitable. D'accord. Si vous apportez nos recherches à l'autorité commerciale, ça devrait largement rembourser la dette de Percival. Alors, pardon, mais... on va la faire PTDR, t'es qui ? Cambridge, l'ancien assistant de Percival, ou plutôt son apprenti. Je pouvais plus bosser dans les mines, alors il m'a embauché pour l'aider dans son labo. D'accord. Je connais ses expériences par cœur, et je sais que celle-ci avait un potentiel énorme. L'hématite aqueuse, qu'est-ce que c'est ? C'est principalement du fer et environ 3 siècles d'écoulement d'eau. Mais seul Percival saurait vous détailler les autres éléments infimes qu'elle contient. D'accord. Ce que je sais, c'est qu'elle s'accumule dans nos colonies, et que quelque chose dans le sol martien l'altère, créant ainsi une nouvelle matière. Et on pense lui avoir trouvé une nouvelle utilité. Intéressant. Le labo, vous fabriquez de la drogue ou quoi ? Non. Enfin, si. Mais seulement des médicaments. Ah oui, les médicaments, c'est vrai. Je l'aidais à produire ce qui manquait à Reliant en fonction des mois. Et on le revendait pas cher aux mineurs. Seulement... c'est venu aux oreilles de l'autorité commerciale et ils ont exigé une grosse part des profits. Donc, mais si vous ne l'avez pas fait vous-même, j'imagine qu'il y a une raison. Un peu, ouais. On n'a jamais pu terminer nos recherches. Des spatiaires ont débarqué, ils nous ont chassés, ils se sont installés à notre place. Ok. Mais si vous les éliminez, je peux vous expliquer comment finir notre travail. Vous pourrez alors l'offrir à l'autorité commerciale. À coup sûr, ils rouvriront les mines profondes. Il y aura à nouveau du travail. Je deviendrai un héros populaire, et j'aurai plus besoin de dormir sur une combinaison spatiale remplie d'air. Alors, oh, c'est quoi ce sourire ? Bon, les spartiaires, on sait ce que c'est, hein, c'est des pirates. Pourquoi il y a si peu de travail sur Mars ? Le plus grand employeur de Mars a toujours été les chantiers spatiaux Deimos. Après la guerre coloniale et la signature de l'armistice, la demande en vaisseaux de guerre a sacrément chuté. Du coup... moins besoin de minéraux, et beaucoup de gens se sont retrouvés sans emploi. Alors, ça en fait du boulot juste pour économiser l'achat d'un oreiller, mais d'accord, je marche. Alors, est-ce qu'on fait le labo ou est-ce qu'on fait l'infiltration ? Ouais, allez. Génial ! Bon, l'entrée des mines profondes se trouve hors de la ville. Vous n'aurez pas besoin de retourner dans votre vaisseau. Il faudrait qu'on s'installe près de la foreuse principale. Si vous éliminez le chef des spatiards, les autres devraient comprendre le message et décamper. Quand ce sera fait, contactez-moi avec le panneau de communication. Et je vous expliquerai comment terminer nos recherches. Alors, on a toujours optionnel à changer... tuer le chef... Voilà, on a deux options. Alors, soit on fait... essayez de pas salir les escaliers ou les ascenseurs. Soit on fait... le laboratoire, soit on fait l'infiltration. Dans les deux cas, il faut remonter au rez-de-chaussée. Mais là, je pense qu'on est parti pour les labos. On va aller taper dans la bouche des Spartiates. Ah, au moins, c'est bien. Ok, chercher cette touche-là avec mes armes. Donc, on peut retourner à l'extérieur. On va y aller, hein, tranquillement. Vous voulez me parler ? Non. Ah,
Toi, t'as Waylon Parker. Oh, bonjour. Vous m'avez l'air sur un air, tout va bien ? Eh bien, c'est possible. Le truc, c'est que je me blesse beaucoup au travail. Rien de très grave, mais j'ai perdu quelques doigts et des orteils. D'accord. Et donc, je dois souvent aller me faire soigner chez le docteur Flynn. Je parie qu'elle en a marre de me voir. Je la comprends. J'aimerais lui écrire une lettre d'excuse, mais je ne sais même pas par où commencer. Je ne voudrais pas que ça paraisse déplacé, voyez-vous. D'accord, vous êtes mineur ? Non ? Ah, j'ai été trop direct ? J'en sais rien. Le boulot paie bien, mais c'est un travail difficile et dangereux. Je me blesse souvent, en plus. J'ai vraiment hâte que mon contrat se termine pour pouvoir partir. Mais je sais pas ce que je pourrais faire après. Oh, si vous saviez, c'est tellement stressant. Ok. Faites attention à vous. Ouais, toi aussi. Allez, on va à l'extérieur, on va aller péter la bouche aux Spartiates. Et en espérant qu'on rencontre pas à labo, à la Breaking Bad. Parce que des médicaments comme ça, fabriquer des médicaments, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc on est à l'extérieur. Et notre truc est là-bas. Alors pourquoi j'ai deux... Ah, il est à 1 km quand même. Hein. Les mines abandonnées. J'aime bien la couleur de ton vaisseau. Allez, on y va. Par contre, 1 km, ça fait loin quand même. Est-ce qu'on peut y aller en vaisseau ou... Bon, on va y aller en même temps pour analyser ce qu'on trouve sur Mars. Donc, c'est pas plus mal. Alors, vous voyez, ça, ils ont rajouté ça aussi, les petites icônes que vous avez eues à droite, haltérophiles et tout. Mais là, ma barre de CO2 ne baisse pas. Je trouve ça bizarre. Alors, pourquoi tu penches ta tête par là, toi ? Ça, c'est un bug aussi que j'ai vu. Il penche sa tête sur la droite ou sur la gauche généralement. Et je ne sais pas pourquoi. Alors. Scanner. Ok, on peut scanner. Analyse. Ah, ça fait des analyses. Analyse. Bon, c'est du plomb, vous voyez. Là, c'est c'est quoi ça là-bas ? Des minerais de plomb. On voit bien la séparaison ici. Il y a un gisement de plomb ici. Ressource 1 sur 4. Alors, on n'arrive pas loin de tout. Ah, ici, il y a quelque chose. Hématique aqueuse. Ok. Est-ce qu'on peut le ramasser ? Ah, c'est vrai, j'ai pas ma fourreuse. Oh. Faudrait que je me rééquipe de la fourreuse. C'est vrai que j'ai pas ça en fait sur moi. Chaque fois je dis que je le fasse, mais à chaque fois j'oublie en fait. Faudrait que je me note sur un post-it. Et voir ce que ça dit. Ok, faut passer par là. Oh, ok. On arrive sur place. Ah, il y a des matites aqueuses. Peut-être que je trouverai un truc de... Hop, on va se passer en première personne. Alors, ça c'est quoi ? Ah, ouf, niveau 14. Fripouille Spartiate.
Mine abandonnée, lieu découvert. D'accord. Ah, lui il est niveau 8. Mais je crois que c'est directement des ennemis, hein. On va pas chercher à comprendre. Alors on va y aller façon discrète. M'a pas vu. Alors si je tape son truc. Ouais, youhou. Je crois que nous ne sommes plus seuls. Oui, j'inquiète pas, j'avais compris Vasco. Boum, t'es mort. Je ne détecte aucun ennemi sur mon scanner. D'accord. Recharge, hein. Cette arme elle a que 6 coups. Il me reste que 3 balles. Alors, on va changer, on va prendre le piou-piou laser. Ok. On en a eu avec la... On en a eu avec la grenade. On peut relancer une grenade. Bon, ok, ça touche. Et on l'a eu. On peut fouiller. Alors... Prends tout. Alors lui il est par terre. Prends tout. Ok, Vasco s'est relevé. Ça veut dire que c'est fini. Donc on va pouvoir scanner. Donc lui on avait fouillé. On peut le fouiller. On regarde ce qu'il y a à fouiller, s'il y a des... des choses de valeur ou des coffres. Ici là-bas je vois des trucs. Le cocher ça en a déjà plein. Ah, des mines. Alors là on a quoi? Attel, kit de soins, on prend un paquet de cigarettes. Un filet de saumon fumé. Alors. Il y a deux autres gars à fouiller à l'extérieur. Ah bah ils sont là. Il y en a ici. Et l'autre il est autre part, il est encore sur le toit. Je sais pas si je peux sauter d'ici. Non, il avait tiré là. Ah, c'est vraiment une petite petite base abandonnée. Ah, voilà. Donc on va pouvoir reprendre nos activités légales. Enfin, légales, je sais pas trop. Mais c'est légal. Du monopropergol. Bon. Hop. Oh, on ouvre la porte, on a un chargement, un temps de chargement. Ok, ah, c'est une autre pièce. Ok, ah, oh, on entre vraiment. Ah, c'est vraiment un laboratoire bien souterrain. La vache. Alors, est-ce qu'il y aurait ici des trucs à fouiller? Jauge réactive. Un aimant isocentré, ça je prends. Des packs de poulet. Ah, composants de fabrication, ça je prends. Ok, il y a des spartiates. Des spatiards, pardon.
soit en première personne. Alors, normalement. Un kit de soins. Deuxième kit de soins. Ah, il y en a un en bas, c'est lui qui nous embête. Ok. Hop, on va aller voir par là. Ok, il est là-bas. En fait, je suis en tir. Je suis en feu croisé. Ils ont l'air d'être que 3. C'est pas évident dans la pénombre. Alors, lui là-bas. On met des crits. Tuer 20 ennemis avec des armes laser. Ça c'est bien, en plus ça va me monter mon... ma compétence. Encore un là-bas. Ça c'était joli. Brûle, brûle. Ah, il y en a encore derrière moi, mais c'est en fait c'est ceux de devant qui m'embêtent un peu plus. Ah, c'est Vasco qui est là. Ok, on a des cartouches laser. On va prendre... on va prendre un pack de soins. Il y en a encore un là-bas apparemment. Ah, il est là. Ok, toi t'es mort. Je pensais qu'il y en avait que 3, mais en fait non, il y en a beaucoup plus. Alors, il y en a encore un. Aucun organique. Ah, je me suis trompé. Alors, en fait, apparemment, je commence à être en surcharge. Par contre, c'est les armes. Ça m'intéresse pas, ces armes. Faudrait que... c'est dommage qu'on puisse pas les démonter. Ok, du genre avec les armes, ça nous débarrasse. Ok, calibre... ah, législateur, je sais pas ce que c'est. Ah, la zone n'est pas là, je pense que c'est par là. Alors, on peut ouvrir ici. Alors bien sûr, on va retourner en arrière, hein. Il y a le... faut fouiller les... faut fouiller les ennemis qu'on a vaincus. Alors, puis voir s'il y a des choses qui nous intéresseraient. Pistolet à agrafe. Oh, le spatio-scotch. Bobine de câble. Ah, là-bas, ils sont là-bas. Il y en a deux ici. Spatial crédit. Ça, je veux pas. L'arme. Oh, rapide cocher. Ça c'est bon à vendre, calibre, calibre, cartouche. Et je sais même pas ce que c'est un législateur. On reprend. Alors là-bas il y en avait un. Ah non, c'est bon, que okay, c'est bon, que okay, c'est bon. On peut aller à la suite. Hop. Je vois ce que c'est le législateur. Nouveaux objets. Rapide cocher. Oh.
Je crois que c'est comme l'arme que j'ai. Ah ouais, c'est ça en fait. Est-ce qu'on peut. Favori. B. Alors, cocher. Hop. Ok. Hop, on a un cocher violet. Alors, déjà, en plus, on va faire. Hop. Et un deuxième. Et on va pouvoir avancer. Voilà, j'ai des kits de soins, autant en profiter un peu. Et sinon. Ah. Il serait avisé de vous délester de certaines choses. Bah, ça tombe bien, regarde Vasco. Besoin de mon aide, je prendrai bien soin de votre matériel, capitaine. Merci Vasco. Est-ce que tu es. Ah, mais tu es déjà full quoi. T'as que 2 kilos sur toi. Bon, c'est pas grave, on est pas lourd. Au revoir. Si, on est combien? On est comment? 149 sur 100. Il faut vraiment que. En fait, je suis en train d'augmenter la compétence haltérophilie. Et il faudrait que j'achète des. Du stockage sur le vaisseau. Moi, je pourrais tout me délester. Boum, brûle. Ah, il est mort de brûlure. Ah non. Allez, fusil à pompe. C'est mort. Ah, Vasco il tank. Ok. Y'a que 2 balles sur ce truc, mais j'adore. Encore un. Voilà, là tu dis plus rien. Alors, cartouche, on prend pas l'équinox. Et vu que Vasco s'est remis sur pied, ça veut dire qu'il n'y a plus. Crédit, hop ça non, crédit, munitions. Soupe de paquet miso, ok. On prend de quoi manger. De l'alien séché. Labrador en chocolat, biscuit. Ok. Soin du jambon fromage, pain de viande, poulet marsala. Oh, croque sec fromage. Bah ils étaient bien en fait hein les gars là-dedans. Pas de poulet poire. Ah, ampli, kit de soin, ça se prend. Ok, jouer fléchette. Toi je t'ai fouillé. Ouais je t'ai. Oh non. Transport calibre. Ah. En fait ça me fait encore plus de. Ah, c'est même pas, c'était quoi? Ah, un sac. Ok. Jetpack basique. Ok. Moi, ça me fait. Je suis toujours en surplus. Par contre, c'était quoi le législateur? J'aimerais savoir ce que c'est. Alors. Ce qui est bien, c'est que c'est par ordre alphabétique. Ouais, si je le passe. C'est quoi législateur? Ah non, mais c'est des fusils! Ah bah oui, bah non, attends. Jeter. Ah, je veux tout jeter. Ah ouais, bah voilà. Ça, c'est déjà mieux, ça.
Surtout si j'ai des armes. Si je peux les... Inventaire. Je voulais l'inventaire. Armes. Ah ouais, mais j'ai jarté mon arme à... Bah c'est pas grave. Je garde le fusil à pompe et le fusil laser. Le reste, je m'en fous. Tant que je suis pas un truc où j'ai beaucoup de poids, je vais pas apprendre de m'embêter. Puis le législateur était seulement que blanc, donc j'ai pas... Aucun regret. Porte. Ça m'a fait peur. Nutriments, tissu. Est-ce que je peux le analyser? Je peux pas analyser. Ok, on a encore des trucs là-bas. Hop, on va changer d'arme. On va. Par contre, j'ai reçu des balles d'en bas. Alors, crédit, cartouche, pas l'arme. Non, mais en fait, j'ai pas besoin d'appuyer comme sur Witcher pour quitter le loot. Rater la grenade. Ah oui, c'est lui le chef. Ok. Tiens, mange mes balles laser. Boum. T'es mort. Alors. Crédit. Ça, c'est une combinaison. Bon, on prend pas la combinaison. C'est pas grave. Pourquoi je suis transparent? Ok. On est bon, on a tué le chef des méchants. Tac, non. Cartouche, oui. Et crédit cartouche laser. Ah. Il y a encore un méchant? Ah oui, il y a encore un méchant sur la carte. J'ai mouru, merci. Je crois que c'est Vasco qui a tiré sur le... Le truc et je suis mort. Ça c'était ouf alors. On en est où là? J'espère que je suis pas trop loin. Ah si, je suis là. Ok, bon. Je retue le chef des méchants et puis je vous reprends après là où on était. Ok, je suis au même endroit. Je crois que c'est le dernier. Allez, mange. Mange ta balle en pleine tête. Enfin, ton laser en pleine tête. Ok, on continue de descendre. Là-bas, il y a un ascenseur. Et là, on arrive aux recherches. Donc, on va y aller, on va prendre. Interphone. Allô? Vous avez éliminé les spatiaux? Parfait. Pour terminer les recherches, vous allez devoir obtenir un échantillon d'hématite et le
mettre dans la batteuse. Prenez une découpeuse laser et retournez dans la première salle pour prélever l'échantillon. La batteuse, c'est la grosse machine dans la pièce voisine. Le mot de passe pour la démarrer, c'est Ares 2330. Mettez-vous au travail. Percival sera bientôt à nouveau un homme libre. D'accord, donc... on va... Ah bah voilà, le truc laser. Maintenant j'en ai une. Découpeuse laser. J'ai récupéré la découpeuse laser. Alors je vais dans l'inventaire. Nouveaux objets. Découpeuse. Est-ce que je peux la mettre en favori? Hop, favori, je te mets là. Comme ça je sais que... Comme ça je sais que j'ai une découpeuse laser. Et que je pourrais utiliser pour récolter des matériaux. Ici on a quoi? Ah, gisement, ok. Ok, on en a. C'est cool. Après, placer le machin et le mot de passe. Le mot de passe c'est Ares micro-régulateur. Si je fais ça, ah je vois ce que c'est. Oh mais ça fait du poids. J'ai pas de place, j'ai pas de poids. Emplacement, déposer l'échantillon. Ça ressort par là ? Ah, moi je pensais que ça sortirait par là. Bah récupérer les données. Et donc, recontacter Cambridge. Ah, un kit de soins. Ça on prend. Cadran 0. On prend... Oh, oh. Des cartouches. Ça c'est des pistolets. Ça c'est Vasco. On recontacte notre ami Cambridge. Ok. Il devrait y avoir une clé dans la salle de la batteuse. À condition que les spatières l'aient pas fauchée. Je vous attends au sixième cercle. D'accord. Alors, ah, la clé elle est là. On va prendre la clé. Hop, clé de sortie. Et on va fouiller un petit peu. On va sortir de là et ouais, je pense que c'est bon. Hein. On va pas tout fouiller. J'aimerais bien tout fouiller, mais... Et... On peut aller à la surface de Mars. Puis une fois on va rendre ça, on va rendre la quête, on va régler les quêtes de Percival et puis on va arrêter là. Alors normalement inconnu, normalement je voyage rapide vers mon vaisseau. Hein. Bah ouais. Pourquoi tu me dis Pourquoi tu me dis de revenir ici? Ah, c'est un autre ascenseur? Ouais, il me dit de revenir tout là-haut encore. Bah non, c'était ça. Hein. On est d'accord à l'ascenseur. Ah, il y a une deuxième caisse ici. Ah, des crédits. Oh, ça, j'ai failli le louper, tous ces crédits. Oh là là. Ah bah j'ai bien fait de revenir. Non bah c'est là hein, normalement, on est bien d'accord. Hein. Il a dit de retourner à la surface et puis de le contacter. Hop. Une mine abandonnée. Ah mais on est loin en fait. Frontière. Est-ce que je peux. Voyage rapide. Ouais bah voilà. On va pas s'embêter. On va voyager jusque là-bas. Donc c'est bon, on veut quitter. Hop. Et on va retrouver notre ami Cambridge. Est-ce qu'ils ont un... Ah, ils ont un truc de marchand. On va essayer de vendre de la merde. Il vous faut quelque chose? Non.
Juste vendre de la merde, ce que j'ai en fait. Vendre tout. Non, on va pas faire tout. Munitions, non, combinaison. On vend. Hop. Ah ouais, mais oh, il a zéro crédit. Oh la loose, putain. Heureusement que j'ai que ça dit le truc, parce que j'aurais vendu comme un sac. Et je vois en fait il a aucun crédit, ce truc. C'est pas grave. Hop. Allez, on retourne à Sidonia. Et allons voir. Seuls les mineurs ont le droit de s'approcher du système. Alors, nous c'est quoi? Changer le montant de la dette de Percival, rapporter les données à Cambridge. Okay. Alors j'espère Cambridge ne le fout pas à l'envers, sinon tu vas m'entendre parler de moi. Non, ça c'est une citoyenne. Ah ouais, c'est le... J'espère que vous avez... J'ai vu un PNJ rentrer, j'espère qu'il va au P2 aussi. Hop. Cambridge Cooper. Vous avez la tablette? Faites voir. Réduction de l'usure des articulations, augmentation de la force physique. Une simple dose accroîtrait considérablement l'efficacité des mineurs. La valeur de cette formule doit être au moins égale au montant de la dette de Percival. Je vous explique la suite. Vous allez dire à Octai de l'autorité commerciale que vous avez une solution pour augmenter l'efficacité des mineurs, leur rendement, leur synergie, ce genre de conneries. Vous proposez de la lui céder en échange de l'annulation de la dette de Percival. Le marketing, vous maîtrisez un peu. Ah oui, c'est vrai, on est industriel. Alors on va faire... Je maximisais les dividendes des actionnaires quand vous étiez apprenti consommateur de lactose. Voilà, c'est parfait. J'adore le... la métaphore. Consommateur de lactose. Si jamais vous voulez maximiser votre propre rendement industriel. Ah, en plus on gagne une recette. Et utilisez ça si possible. Bonne chance. On a gagné une recette, un truc de fabrication. C'est cool. Donc on va pouvoir retourner là-haut. Tac, non, tac, non, tac, clac. Et on va pouvoir parler à Utkan tranquillement. Ok, Utkai, pardon. Il y avait autre chose? J'ai une proposition commerciale pour vous, du genre lucrative. Je ne suis pas du genre à refuser les opportunités, mais je me demande quel besoin du marché martien vous comptez couvrir et que les autres prestataires auraient raté jusqu'à maintenant. Industrie. Un nouveau médicament de marque déposée basé sur l'hématite aqueuse, pas cher et très efficace. L'hématite aqueuse. Du fer et des os usés. Eh bien, ça ne m'étonne pas que personne n'y ait songé avant. Et que fait votre nouveau médicament, au juste? J'ai la preuve scientifique qu'il augmentera l'efficacité des mineurs en une nuit. 15%? C'est prometteur. Mais d'où provient cette hématite? Renouveler l'équipement des mines actives coûterait trop cher. Les mines profondes pourraient être une option, mais elles sont pleines de spatiards, paraît-il. Je les ai déjà nettoyés. Cela ne vous coûtera pas un crédit de commencer. Ah, j'aime bien celle-là. Oh, ces spartiates sont comme qui dirait rencontrer un certain... ont rencontré un terrain propice à un décès prématuré, mais de rien. Vraiment? Eh bien, voilà qui est intriguant. Des ressources encore inexploitées. Et un produit sur lequel toutes les entreprises minières de Sidonia rêveraient de mettre la main. Nous pourrions sous-traiter tout le travail en laboratoire, répondre aux besoins les plus importants en termes de matériaux. Rien que les frais de licence. Et que dire des effets sur notre image auprès du public? Cette mine rouverte grâce à l'autorité commerciale martienne. Très intéressant, en effet. Et que souhaiteriez-vous en échange de ce médicament? Que tu effaces la dette. Je veux des crédits.
J'exige le genre de paiement qu'une telle découverte mérite et l'annulation de la dette de Percival. Je suis sûr que nous pouvons répondre à vos attentes. Ah, on gagne les deux, on gagne vous deux la tunasse. Je vais même vous transférer votre paiement personnellement. Oh, et on réduit la dette. Et on a plus la dette de Percival. Considérez que sa dette est réglée. Oh, c'est magnifique. Je vais juste prendre cette tablette que vous changez. 3700 crédits. C'était un plaisir de faire affaire avec vous, capitaine. Mais de rien. Et voilà, c'est le GG. Ça, c'est magnifique. Et on va aller parler à Lou. Et ça sera au prochain épisode. Ah, ouvre-toi. Ouvre-toi à la base. Alors, on va aller directement en P2. Juste pour le temps de vous dire que j'espère que cet épisode vous aura plu. Tout plein de liens dans la description. Des bisous. Et à bientôt.